Je lis du livre de 1 Samuel 17, versets 30 et 31, ce qui suit. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà encore ce matin devant toi, anxieux de connaître la suite de l'histoire de ce gamin. Alors que nous allons méditer sur ce que nous venons de lire, que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, afin que nous comprenions. Les leçons que nous devons tirer de cette belle histoire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous gardons le même chapitre et je vais lire au verset 26. Écoute bien. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Donc, il a entendu une première fois, il pose la question une deuxième fois. Et tu as bien vu qu'il est dit, le peuple répétant les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes choses déjà entendues. Son grand frère Elia vient le décourager. Il se détourne de lui. Et qu'est-ce qu'il fait encore Je lis verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Ça fait troisième personne. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois, trois fois. Que devons-nous tirer de cela Il a posé une question une fois. Il a été vers quelques d'autres poser la même question. Quelques d'autres, une troisième personne poser la même question et il a eu trois réponses identiques. Pourquoi? Pourquoi perdre son temps pour aller vers deux autres personnes puisque il a déjà l'information dès le départ? Ce n'est pas une perte de temps. Il y a une leçon que tu dois tirer de cela. Quelle est cette leçon? Quand quelqu'un vient te dire, par exemple, que Dieu n'a jamais mis les pieds sur terre parce que la terre est souillée, tu as entendu cela Va voir quelqu'un d'une autre communauté religieuse et pose la même question. Va voir une troisième communauté religieuse pose la même question. Si les trois te donnent la même réponse, en t'appuyant sur ce que dit la Bible, tu peux croire. Mais David n'a pas foncé tête baissée, il s'est renseigné avant de prendre une décision. Et puisqu'il s'est manifesté déjà, il y a toujours des gens qui ont peur d'aller se battre, hein, mais ils sont les premiers pour aller dire aux autres, « à Saül, il y a quelqu'un, quelqu'un qui semble être déterminé à se battre contre Goliath. » On va déjà annoncer la bonne nouvelle à Saül, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici donc ce jeune garçon qui connaît son Dieu. Ce jeune garçon qui sait que Dieu est avec son peuple. Il parle avec une fougue, diront certains. D'autres diront qu'il a perdu la tête. Et c'est ce qu'on dit lorsqu'une personne accepte Jésus. Merci de nous aider, Seigneur à continuer jour après jour, à nous nourrir de ta parole, à suivre l'exemple laissé par des hommes qui nous ont précédés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.